Comment placer sa voix? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent en cours sur YouTube, sur Instagram. Donc je vais t'en parler aujourd'hui, je vais te donner un exercice. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras alerté, notamment à chaque fois que je suis en live. Et ce sera l'occasion de pouvoir te poser les questions, on pourra échanger directement. Ça, c'est un petit peu la magie du live. Alors, pour poser sa voix, il faut qu'on explique un petit peu. Parce que la voix, tu vois, c'est une entité impalpable. Ce n'est pas comme une main. La main, lever ma main, là, je vois ma main. La voix, ce n'est pas quelque chose que je vois, je l'entends. Mais du coup, placer sa voix, quand on dit placer, ça veut dire mettre un objet quelque part. Et du coup, ma voix là, je vais vouloir la mettre quelque part. Alors, je vais t'expliquer. Il faut que tu saches au départ que de toute façon, ta voix, le son, il vient de tes cordes vocales qui sont ici, au niveau de ta gorge. D'accord? Ça, c'est un fait. Tu as une vibration qui est créée ici par tes cordes vocales. La vibration, elle va se propager à travers ton conduit vocal et eh bien, la langue, le palais, la bouche, le nez, tous ces éléments-là vont modifier le son, vont modifier la vibration et c'est ce qui va donner ta voix quand ça va sortir là par la bouche. Et le son va se propager dans l'air. Donc ça, c'est ta voix. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes qui disent « j'arrive pas à placer ma voix », c'est qu'elles ressortent une sorte d'inconfort. Et ce qui se passe, c'est que souvent, la voix, elles la sentent vraiment dans la gorge. Et en fait, ce n'est pas la voix qu'elles sentent dans la gorge, c'est ce qu'elles ressentent dans la gorge, c'est tout simplement des tensions, des petites tensions qui sont accumulées dans la zone périlaryngée, là autour du larynx. Et ces tensions-là, ben, effectivement, elles sont contre-productives, déjà elles ne sont pas confortables et ça ne nous permet pas de sortir le son librement. Et du coup, quand on va vouloir placer notre voix, on va chercher en fait à, en termes de sensation, la sentir plutôt ici. Alors, ça va être la zone autour de la bouche, ça peut être des petites vibrations que tu vas sentir dans les lèvres, au-dessus des dents, sous le nez, dans toute cette zone ici. Dans certaines techniques, on parle de masque facial, chanter dans le masque. Et globalement, en termes de vibration, on va vouloir ressentir un maximum de sensations dans cette zone-là. Alors, ce qui se passe en réalité, parce que tes cordes vocales ne vont pas se déplacer, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va jouer avec la résonance. Maintenant, comment obtenir cette bonne résonance qui nous permet d'avoir des vibrations ici, dans le devant du visage quand on chante? Eh bien, un exercice tout simple que je vais te donner. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis voilà, qui ont ce problème, qui se demandent comment placer leur voix, comme ça ils pourront faire l'exercice en même temps que nous. Alors, ça va être tout simple, tu vas faire un petit comme un petit miam miam. Toi, t'imagines, tu arrives dans une pièce et voilà, ce matin, moi, quand je me suis levé, il y avait une bonne odeur comme ça de crêpes et du coup, moi, j'aimerais dire tu vois, c'est miam miam. C'est un son qui est très simple, c'est un son qui est très naturel et tu n'as pas besoin de réfléchir pour faire ce son-là, tu vois. Tu n'as pas besoin de dire « oui, est-ce qu'il faut que je place ma voix ?» Non, non, tu fais Et quand tu vas faire ça, tu vas sentir très certainement des vibrations sur le devant là, du visage, d'accord. Tu ne vas pas sentir vraiment que le son là est dans ta gorge, tu vas le sentir plus devant. C'est un son qui n'est pas crié, d'accord. On ne force pas pour faire ce son-là. C'est un son qui est quand même 5 sur 10, je dirais en termes de volume, ce n'est pas toi, ça serait trop petit. Là, je n'arriverais pas à sentir les vibrations. Donc, c'est ce Et une fois que tu arrives à faire ce petit miam miam qui te donne des sensations de vibration dans le devant du visage, tu vas t'en servir pour chanter. Alors, quand je fais ça, je sens les vibrations là devant. Donc ça, voilà, c'est un prémisse, c'est un début. Alors, tu l'as compris, il va falloir bouger des choses à l'intérieur du conduit vocal pour bien placer ce son. Là, par l'imitation, tu peux l'obtenir rapidement, mais pour aller plus loin, tu vas avoir besoin de toutes les explications. Alors, ça tombe bien parce que j'ai justement fait une vidéo complète, elle dure 30-40 minutes, je crois, où je t'explique tous les mécanismes à l'intérieur, comment ça se passe pour vraiment maximiser encore cette sensation, cette résonance, comment bien placer ta voix efficacement. Alors, si tu veux recevoir cette vidéo, rien de plus simple, tu vas trouver un lien dans la description, là en dessous, clique dessus et renseigne tes coordonnées. Alors,
Fais attention, quand tu mets ton adresse mail, mets une bonne adresse mail parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent une adresse mail pour les pubs et après ils me disent « Oui, mais Antoine, je n'ai pas reçu tes exercices. » Donc, mets vraiment ton adresse personnelle, une adresse à laquelle tu vas être sûr de recevoir le lien pour télécharger la vidéo parce que je ne vais pas t'envoyer que ça. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer d'autres cadeaux, d'accord? Je vais t'envoyer ce que j'ai écrit pour travailler ta respiration, la respiration du chanteur. Je vais t'envoyer aussi un petit fichier MP3 pour que tu vas pouvoir télécharger pour t'échauffer. C'est l'échauffement que je donne aux pros avant de monter sur scène. Donc, tu l'as compris, plein de cadeaux en perspective que j'ai le plaisir de t'offrir. En attendant, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !